Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce premier numéro de Chez Dom de cette semaine. On espère que vous avez bien évidemment passé un très bon week-end. Tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de nos programmes télé pour ce soir sur KTV. Et puis sinon, on va démarrer avec nos invités, avec deux magnifiques sujets ce soir, puisque nous recevons l'association Apélib avec Asna Riti. Asna, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Asna? Bah, ça va très bien. On va expliquer tout à l'heure ce qu'est Apélib. On va expliquer pourquoi vous êtes là. Mais en quelques mots, vous allez nous inciter à faire du cinéma. Oui. Et voilà. À côté de ça, eh bien, à côté de Asna, nous avons Monsieur Drix. Comment va-t-il, Drix? Très bien. Drixou, comment il est? Bien. En forme? Ça va. Studio Sanamoin. Oui. Participation, parce que là, on parle d'image. Oui. Hein, on parle de plein de choses, donc bah, c'était normal que tu sois un peu impliqué. Oui. Et bon, on va découvrir tout ça. Nous avons Abdallah Abdou Ali. Bonjour Dominique. Comment va? Ça va très bien. En forme? Oui. Pareil, trésorier hein, de l'association, là. Tout à fait. Mais parce que tu fais du cinéma, toi? Pas du tout. Là, il a... Je suis là uniquement pour l'intérêt des élèves. Pour l'intérêt des élèves, parce que voilà, on va découvrir d'ici quelques instants de quels élèves on parle. Et puis on va terminer avec un autre sujet qui nous revient pour la 9e fois. Et je sais, un véritable plaisir. Il va prendre son micro. Mon Idou, comment va-t-il? Salut Dom, ça va. En forme? Oui, ça va. 9e Feste Caram? 9e, un peu dur, mais c'est là, mais ça va, on va arriver. On pourquoi un peu dur? Bah, il y a eu un peu de contraintes, de en fait, un peu des arrêts. Un peu tendu, voilà, pour la jeunesse. Voilà, chose, ça passe voilà. Autrement, quoi. Mais ça va, ça, c'est une 9e édition, ça va se passer. 9e édition, c'est vrai que le bébé grandit? Il grandit, Inch'Allah. Et ça va être encore chaud puisqu'on a une belle affiche hein, quand même. Bah écoute, c'est une belle affiche. Hein, et ouais, on va découvrir tout ça. Asna, Apélib. Oui. Qu'est-ce que c'est Apélib? C'est l'association des parents d'élèves du lycée Unsababana. Et waouh, donc avec un Y. Hein, oui, Unsababana. Tout à l'heure, je cherchais, je me disais, ça peut être quoi le Y? Ça peut être quoi? Et après, j'ai tilté quand même. Apélib, donc, qui vient ce soir pour une première, oui. Ma foi, fort intéressante. On a l'affiche là. Une première où vous allez proposer... Un concours Mayotte Pocket Film. Là, on s'adresse à tous les jeunes, pas seulement du lycée, hein, tous les jeunes de Lille qui ont entre 16 et 19 ans, pour faire des films d'une durée de 3 minutes sur 3 thèmes imposés. Ouais. Et ça va aller jusqu'au mois de décembre. La remise des prix sera le 8 décembre. On voit votre affiche à l'écran. Pourquoi ça s'appelle Mayotte Pocket Film? Je passe la parole à Drix. Drix. Ben, ça s'appelle Mayotte Pocket Film. C'est surtout le pocket. Hein. Oui, hein, le pocket, parce que, on va dire, c'est le. Je cherche un terme qui parle à tout le monde, qui est général, le pocket, le film de poche. Est-ce que c'est pas aujourd'hui, parce qu'on fait des films aussi avec tout simplement des portables qu'on met dans nos poches? Oui, aussi, mais vraiment, on va dire, à la base, le terme pocket a été déjà utilisé depuis fort longtemps. Bien sûr. Donc, et surtout dans la photo. Oui, dans la photo. Hein, mais là, c'était pour relier le mot pocket avec les autres, on va dire, les autres pays, etc. En tout cas, l'idée, donc, en gros, c'est de faire un film. Oui. C'est faire un film, mais c'est pas... C'était pas, enfin, faire un film, oui, mais c'était l'utilisation du téléphone. Du média. Du média. Ouais. Du média. C'est obligatoirement avec un téléphone. Oui. Oui. Ah ouais. Voilà, c'est ça, là, toi. Ah ouais, donc c'est pas, je peux pas le faire avec la petite GoPro ou avec la caméra de mon papa. Pas encore. Alors pourquoi? Ben justement, parce que les jeunes, la tranche d'âge 16-19 ans, ils utilisent tous les téléphones. Ouais. Donc c'est plus facile pour eux de faire un film avec le téléphone que d'aller chercher une caméra. Ouais. Donc là, on s'est dit, faire des films avec des téléphones portables, ça va les intéresser plus parce que de toute façon, ils font que ça toute la journée. Ouais, donc, mais comment vous allez être sûr qu'il est fait vraiment qu'avec un téléphone portable? On vérifiera les formats. Ah, les formats. Oui. Donc chaque média a un format. Ouais. Et on pourra vérifier ça au niveau de l'ordinateur, regarder tous les éléments techniques et puis on pourra voir qui triche ou pas, ou d'où ça vient. Ouais.
On peut tout savoir de nos jours. Donc, ouais. Abdallah, tu fais des films, toi ? J'ai jamais fait de film. C'est pas vrai. Je me trouve embarqué là-dedans, simplement parce que je m'intéresse aux jeunes. Et je me dis qu'ils ont besoin de ces genres de choses. Bien sûr. Donc, on est là tout simplement pour soutenir cet élan. Et quelque part, c'est une confrontation ? Tout à fait. Et les jeunes, ils aiment bien se confronter. Yeah. On en a la preuve hein, en ce moment. Le mieux, c'est qu'ils se confrontent quand même avec des moyens pacifiques. c'est aussi un peu ça l'idée. Oui, ouais, c'est ça aussi. Hein, c'est de montrer qu'on peut se confronter, qu'on peut être gagnant ou perdant, mais sans se mettre des pains dans la figure, hein, comme on dit vulgairement. Voilà. Et c'est important la compétition aussi chez un jeune. Oui. Ah, ils aiment bien la compétition. Ils aiment bien, c'est un élément moteur pour eux. Donc, on a dit, bon, on va commencer la première édition avec une compétition. Et waouh! Allez, les 6, 7 et 8 octobre, c'est aussi le Fest Caram. Rappelle-nous comment était venue l'idée du Fest Caram il y a 9 ans. C'était pour promouvoir la gastronomie mahoraise et en même temps avec tout l'ensemble, la culture musicale mahoraise. C'est pour cela qu'on a toujours qu'on fait la fête elle-même et ça se nomme Fest Caram. Le Caram, c'est là on trouve plein de gastronomie. C'est le mot qui vient de là. C'est la raison pour laquelle c'est là d'où ça sort l'idée. Quoi. Et ouais, si on t'avait dit il y a 9 ans, dans 9 ans, tu seras toujours en train de faire le Fest Caram, tu y aurais cru ? Ah non. Auprès de premier. Tu me dis ça tous les ans. Et puis tous les ans, il y a le nouveau numéro qui arrive. Oui, mais si vous êtes là, si je dis vous êtes là de tous les partenariats qui sont là, qui me soutiennent. Alors je peux pas relâcher vous-même vous êtes déjà tous les jours, ça me fait plaisir chaque année venir te voir dans ton plateau. Ben écoute, c'est que du bonheur en tout cas que de te recevoir à chaque fois. Surtout à chaque fois tu nous envoies des beaux invités en plus. Ben écoute, et c'est encourageant. Pour ceux qui lancent des choses aussi. Ben écoute, oui, justement, j'espère qu'on sera là. Et on se revoit dans 9 ans, Dans 9 ans, On sera tous là. Et ça sera devenu un festival international. Un festival du film à Mayotte. Ça serait une idée derrière quand même. Ouais, ce serait une idée, récompenser tous les talents. Ouais. Hein, parce qu'il y a pas mal des jeunes qui font pas mal de choses intéressantes. Ouais. Pourquoi c'est l'association des parents d'élèves qui s'occupe de ça ? Alors pourquoi on a beaucoup de projets. On avait pensé à beaucoup de projets avec Drix l'année dernière. Ouais. On s'est enfermé plusieurs après-midi dans la salle de réunion. On a travaillé sur plusieurs projets, 6 à 7 projets. Et celui-là nous intéressait particulièrement parce qu'on voulait, montrer que... Parce que nous, on est association des parents d'élèves. On voit les jeunes tous les jours. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais à chaque fois qu'on regarde la télé, on parle que des jeunes. On parle des jeunes, ils se bagarrent, ils s'aiment pas. Ils descendent dans la rue, ils agressent. Mais je lui ai dit, mais nous, on connaît les jeunes autrement. On voit les jeunes, on sait qu'ils s'entraident, on sait qu'ils sont ensemble, on sait qu'ils s'aiment. Donc pourquoi pas faire quelque chose pour montrer qu'ils ne sont pas que des jeunes qui se bagarrent. Donc là, on s'est mis, on a travaillé l'année dernière. Malheureusement, on a laissé un peu tomber, on a mis le projet dans le tiroir. Et puis après, on l'a ressorti quelques mois après. On a travaillé, on a demandé des subventions. Malheureusement, on ne les a pas eues. On a encore remis 2 ou 3 mois dans le tiroir. Et puis après, je l'ai ressorti, je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, on lance quand même. Financement ou pas, on lance quand même. Et après, on verra ce qui se passe. Et puis, quand on regarde ce qui se passe dernièrement, nous, on a choisi les thèmes. Drix a proposé le thème solidarité. Moi, j'ai ajouté, j'ai dit, on va parler aussi ensemble. Et puis, amour, parce qu'on entend parler de bagarre, mais ils s'aiment aussi, ils savent parler d'amour, ils savent être ensemble, ils sont solidaires. Donc on voulait justement qu'ils expriment ces 3 thèmes-là pour montrer qu'ils ne sont pas que des délinquants, que des vagabonds, et donc voir un côté positif des jeunes aussi. Donc j'espère qu'on aura beaucoup d'inscriptions, parce qu'on voulait vraiment qu'ils montrent qu'ils sont capables de faire autre chose que de se bagarrer en fait.
Abdallah, c'est le rôle d'une association de parents d'élèves de faire ça. Je pense sincèrement que... C'est important qu'une association montre qu'elle est active, qu'elle est vivante, qu'elle est derrière ces jeunes. En tout cas, nous, on est très actifs. On a pas mal de projets qui se font durant toute l'année. Et ça montre bien qu'on est convaincu de cet intérêt. Ils le sentent, ça, les enfants? Enfin, quand je dis les enfants, là, c'est des grands au lycée. Oui, c'est des grands. Et quand on les voit s'épanouir, et c'est ça qui nous encourage de continuer. Encourageant, Nidou. Ben, c'est encourageant. Je vais un petit peu rajouter le rejoindre. C'est vraiment, je le souhaite du tien que, comme elle l'a dit, qu'il a essayé première fois, deuxième fois, troisième fois, qu'il y a un financement, qu'il n'y a pas. Il a pensé aux enfants avant tout. Tu vois, il faut penser à ses enfants, s'occuper de ces enfants-là. Et c'est ça qui veut nous avancer à l'avant parce qu'il n'y a pas de grand-chose à faire. Toi, Nidou, t'es parents d'élèves? Je suis parent d'élèves parce que j'ai des enfants aussi qui vont à l'école. Hein, je soutiens aussi. Et c'est important que les parents soient derrière les élèves, justement. C'est vraiment. Parce qu'on a beaucoup, il y a quasiment dans toutes les écoles, il y a des associations d'élèves, de parents d'élèves. On ne sait pas toujours ce qu'elles font. Écoute, ce n'est pas que les associations, mais avant tout, c'est les parents. Alors, si tu as un enfant qui est à l'école, si tu ne t'intéresses pas, c'est pas l'association qui pourrait tout gérer les enfants qui sont dans l'établissement. Bien sûr. Mais il y a une effort aussi qui doit être fait par les parents eux-mêmes, tu vois, de le soutenir justement ceux qui sont dans les actions. En tout cas, ça confirme que pendant la scolarité, on a besoin des élèves, oui. On a besoin des professeurs, du corps enseignant, mais on a quand même toujours besoin des parents. Des parents, toujours, toujours. C'est un contrepoint qui est important à plein de niveaux. Bien niveau. Je ne peux que confirmer. Voilà. Et c'est normal que ceux qui s'occupent, qu'ils utilisent du distractif. Parce qu'on aurait pu dire, il pourrait leur faire faire des concours de mathématiques. Oui, non. Non, mais je pense que les établissements sont là pour ça. Hein. On va pas. Nous, on est là pour montrer à nos enfants, hein, parce qu'on dit nos enfants, qu'on est derrière eux. Donc, on sait très bien que les problèmes. On propose des choses parce qu'on sait très bien que les problèmes qu'ont les jeunes en ce moment, c'est qu'il n'y a rien pour les occuper. Donc, nous, par exemple, l'association, on fait des actions toute l'année, on fait des sorties un samedi par mois, du mois d'octobre au mois de mai. On les occupe, on fait pas mal de choses. Donc, ils savent qu'on est là. Notre siège social est à côté du lycée. Donc, toute la journée, quand il y a un petit souci, parce qu'ils sont grands, mais quand même, les petits bobos, ils viennent tout de suite. J'ai un petit problème. Et savoir que les parents sont là, ça les rassure quand même. Ouais, et pas que pour, que pour le côté coercitif. Non. Nous, on n'est pas là pour... Ils sont là aussi pour la distraction, l'accompagnement. Voilà, on donne des conseils. On donne des conseils, on accompagne. Quand ils font des bêtises, on leur dit, hein, on leur crie dessus, comme les parents, hein, on leur crie dessus. Et après, on leur montre aussi que, parce que c'est l'épanouissement personnel, c'est important pour un jeune. Donc là, on est là aussi pour nous assurer qu'ils vont s'épanouir pendant leur scolarité. Et sait-on jamais, ça peut titiller des talents aussi. Oui, effectivement, oui. Parce qu'on fait, par exemple, pour nos sorties, on fait pas mal de choses. On a fait notre première sortie en octobre, ce sera au Manchongui. L'année dernière, on a fait plusieurs sorties. On a été au musée, on a été à l'île Somboro. On a fait aussi une journée cuisine traditionnelle où on a fait des plats à base de noix de coco. Mmh. Donc cette année, on va faire, en 2018, on va faire des plats, des gâteaux traditionnels qu'on trouve dans les mariages. Donc ils découvrent aussi, parce qu'il y avait pas mal de filles qui ne savaient pas comment on faisait les plats à base de noix de coco. Donc on essaye aussi de faire en sorte qu'ils renouent aussi avec la tradition, tout ce qu'ils ont perdu, parce que c'est ça qui font qu'ils sont perdus. Ils ne savent pas qui ils sont. Donc nous, c'est à nous d'être derrière, de leur montrer tout ça. Donc ils apprécient et nous aussi on est contents de pouvoir faire quelque chose pour eux. Les choses se perdent si vite que ça. Oui. Malheureusement. La société bouscule tout ça, l'impression. Voilà. Donc nous on est là pour garder ce lien-là et pour justement qu'ils sachent qui ils sont, qui ils sont tous
Parce qu'il n'y a pas tous qui sachent tous qui ils sont pour pouvoir aller plus loin. Parce qu'on dit très bien, si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas aller plus loin. Donc nous, on essaie de jouer ce rôle-là. On n'est pas, on va pas être très prétentieux et dire qu'on peut tout faire, mais on essaie de faire le maximum quand même. Oui, ouais. Mon Idou, 3 jours de fête. Alors, vendredi, samedi, dimanche, on a un gros trait d'union qui s'appelle le Taureau Chameau. Oui. C'était un des premiers taureaux du Fescaram. Non, je dirais dans les troisièmes qui étaient passés. Ouais. Qui étaient passés aussi. Mais pour revenir encore, c'est la 9e édition, comme il peut y avoir une 10e, comme on a commencé, mais ça revient d'une des partenariats et des bénévoles qui nous aident tout. Il n'y a pas que de partenariats, il y a pas mal de aussi des bénévoles, et c'est grâce à eux qui me donnent la force chaque année de pouvoir continuer. Voilà, on sait pas. Bon, on a quand même besoin d'un petit monnaie, mais c'est pas la force même. C'est l'union d'être ensemble pour pouvoir réaliser. Et ça a toujours été ça, hein, le Fescaram. Oui, ça a été toujours. Toujours été souvent des musiciens qui se connaissent, qui se rencontrent, ou en tout cas, voilà, c'est en plus un vrai lieu d'échange. Oui, c'est un lieu d'échange. Voilà, c'est un lieu de culte. Voilà, c'est qui est, comme je disais, la dame me disait aussi, on apprend à faire à manger, mais on a. C'est ce jour-là aussi, quand il y a des groupes, des artistes comme ça, ça permet à donner envie à quelqu'un de vouloir être ou faire comme l'autre. Mais c'est pas forcément qu'on se trouve dehors avec peut-être rien que la culture elle-même, ça te plonge dedans dans ta tradition, la culture. Là. Du coup, c'est bien, faut pas. On arrête là, c'est pour cela que... Au contraire. Taureau Chameau, donc, qui sera sur scène le vendredi et le dimanche. Oui, sera vendredi avec Bako Ali. Voilà, alors Bako Ali, tu m'as dit une anecdote, tu m'as dit, c'est lui qui a voulu venir au Fescaram. Ah mais ben, c'est un enfant du village. Alors, si on parle de Fescaram vendredi... C'est vrai qu'il ne l'avait jamais fait. Voilà, moi-même, ça m'est touché que, voilà, à chaque fois qu'on parlait, toutes les artistes de l'île, hein, je veux dire, qui sont passés sur le Fescaram, mais il n'y avait pas eu Bako Ali. Ben, je dis, ça m'a touché un peu, quoi, cette année, parmi les partenariats, parmi les bénévoles, ceux qui ont choisi à mettre le programme en place. Ben, voilà, il n'y a pas que moi, c'est eux qui me disent ce que je peux mettre en place. Hein. Donc, Bako Ali sera le vendredi soir, donc avec un taureau chameau, c'est qui démarre? C'est un taureau qui démarre. Et on laisse la place à Bako Ali parce qu'on l'aime bien. Les gens, ils aiment bien finir la soirée avec Bako Ali. Ah oui, surtout que la soirée se termine très tard le lendemain. Voilà. Les deux jours de vendredi et le samedi, on a jusqu'à 2h du matin. On peut se savourer. Le samedi, on change d'ambiance? Samedi, on change d'ambiance. Justement, on mélange la culture. Alors, on ne peut pas rester dans... Justement, on peut trouver la... Même s'il n'y a pas la gastronomie, mais il y a la musique, cette différente culture. Alors, on a changé un petit peu, se varier dans les cultures, parce qu'on veut DJ, voilà. Et puis, on retourne dimanche avec Kumu et Latéral et Mtoro Chameau aussi, qui va finir la soirée le dimanche. Voilà, Kumu qui démarre une grosse tournée. Oui, en pleine tournée, c'est une nana, en fait, je dirais pas un jeune, mais c'est un gars qui remonte bien, qui est en Gaboussi. On a perdu 2-3. Et on parlait de tradition. Ah oui, mais c'est ce qui est fou, il faut le mettre en valeur. Ça, c'est, en plus, c'est, enfin, quand on parle du Gaboussi, on parle de Mayotte. Quoi. Moi, je trouve, il a sa place ce jour-là. Quoi. Et puis, bien sûr, le frère latéral. Oui, on aura l'occasion qui va passer. Logiquement, voilà. Demain soir, comme mercredi, me semble-t-il. Demain soir, comment c'est mercredi. Comment et les DJ, tu vas nous les envoyer, on les recevra. On va se serrer sur ce plateau. Revenons un petit peu sur ces trois thèmes, solidarité, ensemble, amour. Et là, donc, il faut qu'on propose quelque chose qui dure 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Sans le générique. Sans le générique. Donc on peut encore gratter 15 et 15 de générique. Ouais. Voilà, donc 3 minutes 30. Ouais. Voilà, grosso modo. Et alors ça doit être structuré.
Oui, structuré, mais pas vraiment, parce que, bon, là, c'est la première édition. Parce que 3 minutes, on peut être dans un court-métrage. Court-métrage, ouais. Ça se réalise, hein, oui. C'est déjà une réalisation. Oui. Mais c'est pas évident à faire, non plus. Oui. Parce que là, on s'est dit, bon, on va pas aller vraiment chercher spécialement comment ça s'appelle ? C'est le premier numéro, c'est la première édition, on n'est pas trop pointu. Voilà. On laisse vraiment. C'est envoyez-nous vos films et puis on classera les meilleurs. Voilà. Mais il y a quand même trois critères qu'on a mis dans les modalités de sélection. Hein. Ouais. Il y a le cadrage, le dialogue et la créativité. Ouais. Donc il y a quand même des critères de sélection. Il y a quand même des critères de sélection. Il y a trois critères bien cadrés. Il y a le dialogue, il y a la créativité. Oui, la créativité surtout. Le son va être souple quand même parce que bon, c'est pas. C'est pas évident. C'est ce qui est le plus dur aujourd'hui. Ouais. Autant l'image, c'est facile de la faire, autant le son sur les portables, il n'est pas toujours excellent. Ouais. Et avoir un bon son, ça coûte cher, donc on va être trop souple sur le son. Ouais. C'est plutôt la créativité qu'on va. Et on doit réaliser ça en groupe. Oui. De 4 amis. Oui. 4, on a quatre. Un groupe mixte, deux filles, deux garçons. On a vraiment insisté sur deux filles, deux garçons pour justement qu'il y ait une. Il faut qu'il y ait du travail, il faut que ça bosse de la cohésion du groupe. Voilà, cohésion du groupe, et puis ça va leur donner la possibilité d'avoir des histoires. Déjà de se rencontrer, parler. Voilà. Parce que parler amour, s'il n'y a pas. Il n'y a pas les deux, ça risque d'être difficile. Aujourd'hui, hein, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire à ce sujet-là. Hein, l'amour. Bon, en tout cas, il y aura deux et deux, donc ils feront ce qu'ils veulent. Et on va continuer à découvrir d'un côté le Fest Caram, 9e édition. Et puis, on va continuer à découvrir ce concours Mayotte Pocket Film, première édition, en espérant que ce ne soit pas la dernière. On va continuer à découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement. Petit rappel de vos programmes télé, à tout juste 19h, le retour du Grand Journal, présenté par Sony Chamsidine. Zorou sera son invité de la rédaction ce soir, il est président du collectif de Mayotte. 19h35, premier temps de parole du jour consacré ce soir au syndicat Alliance Police. Et puis deuxième temps de parole du jour à 21h35, ce sera Daniel Martial Henry du MDM. Allez, on est toujours avec Nidou du Fest Caram, on est toujours avec Abdallah Abdouali pour l'APELIB, l'association des parents d'élèves du lycée Younous Ababana. Et on a toujours Drix et Asna pour nous parler, bien sûr, de ce concours organisé donc par APELIB. Alors, il faut être en groupe, il faut avoir quel âge pour participer ? 16 jusqu'à 19 ans. De 16 à 19, ouais, c'est l'âge de la scolarité au lycée, quoi. Oui. Voilà. Après, voilà. Grosso modo. On a vu tout à l'heure un groupe de 4 amis. Oui. Tant qu'à faire. Oui, s'il y en a un de plus, au moins, on va pas. Ouais, on va pas défaire un groupe, hein, j'imagine. Les inscriptions, parce qu'il faut s'inscrire, donc. Oui. Alors, pour les inscriptions, il faut passer à l'association des parents d'élèves. Ouais. Il faut se déplacer, ouais. Ou au moins un du groupe qui vient chercher les documents, puis remplir et puis ramener. Et voilà. Mais il faut se déplacer. Et, ouais. Et on a un numéro de téléphone, le 06 39 07 71 75. Et on a une adresse. J'ai dit ça, c'est le mien, on m'appelait tout jusqu'au soir. Quoi. Ah, vous l'avez mis sur l'affiche. Hein. Vous l'avez mis sur l'affiche. Oui, hein. Je sais. Et puis on a une page Facebook que on peut conseiller d'utiliser, c'est Pocket Mayotte Film. Oui, donc pour ceux qui ne savent pas comment filmer, quoi filmer, donc ils pourront trouver des conseils sur la page Mayotte Pocket Film, des conseils techniques. Et ouais. On rappelle, le film doit faire 3 minutes. 3 minutes, ouais. On a le temps de dire des choses quand même en 3 minutes. Oui. Beaucoup. Ah, on peut. Raconter une histoire, une vraie histoire en 3 minutes. Quoi. C'est... Bien sûr, il y a plein de choses. Hein. Quand tu as une vie, même 3 minutes. Ouais, 3 minutes, ça suffit pour briser ou faire une vie, hein, parfois. Oui. Même.
Hein, et un film aussi d'ailleurs. Film. Aussi. Pour des... Il y a aussi ça un petit peu l'idée de dire filmez pas n'importe quoi ou laissez-vous pas filmer par n'importe qui. Il y a aussi cette idée-là. Oui, c'est dans cette optique-là en fait. Mais bon, là, il y a, enfin, on en... y a encore enfin, d'autres projets pour plus tard, mais pour l'instant. Ouais, ouais. Mais je veux dire, c'est déjà amener des. Voilà, soulever des questions. C'est pour ça qu'on a commencé à imposer, enfin, imposer des thèmes, en fait. Ouais. C'est un peu cette démarche-là, en fait. Et le trésorier de l'association, comment on peut aider une association sur un coup comme ça? Sur un coup comme ça, le... donc tout le monde peut aider. Tous ceux qui se sentent l'âme de vouloir aider l'association. Ils peuvent. Alors on peut faire du bénévolat, bien sûr, hein, comme dans toute association. On peut être une entreprise, on peut vous aider. Là, sur ce coup-là, on peut vous envoyer des t-shirts, des lots, des chèques. Et puis aussi impressions d'affiches. Donc toute participation sera la bienvenue. Hein, donc nous, on n'a pas. Et puis, parce que ces petits jeunes, il faudra leur faire des petits cadeaux à l'arrivée. Des petits cadeaux et puis la communication avec Quasi TV, bien sûr. Ouais, nous, là, vous êtes là hein, voilà. et vous reviendrez régulièrement parce que je vais être tenu au courant de tout ça. Oui, on va vous suivre. Et puis si on pouvait même diffuser les gagnants, ça serait sympa. Aussi, ça sera prévu. Parce que je pense qu'il y aura aussi certainement des choses de qualité. Si un jeune, parce qu'il y en a quelques-uns qui commencent à faire de beaux clips, si on vous envoie des clips musicaux, qu'est-ce qui se passe? Bon, on verra. On verra si. Est-ce qu'on pourra pas faire un classement clip? Ça pourra être déjà un début ou peut-être s'il y a une espèce de hors concours ou. Alors tu me dirais, il faut qu'il fasse 3 minutes. Hein. 3 minutes. Oui. Alors vu que les chansons en général font 3:30. Donc on a mis, parce qu'on a, quand les jeunes viennent chercher le dossier, en fait il y a 4 fiches d'inscription. Et à les modalités plus le règlement. Ouais. Donc, dans les 3 minutes, on n'a pas. Le genre, c'est à eux de décider le genre de film qui vont. Donc, je pense que le plus important, c'est de choisir un des thèmes qui sont imposés, solidarité, ensemble et amour. Ouais. Pour ce qui est le genre de film. Et après, ils peuvent le faire de façon humoristique ou ce sera comédie, dramatique, science-fiction. Mais bon, pour science-fiction, bon. On va pas les pousser pour qui pense qu'il faut absolument mettre des effets spéciaux, des trucs comme ça, mais c'est pas important d'aller se pousser dans les rajouter des effets, des trucs comme ça. C'est juste la créativité et tenir une. On peut faire un robot en carton, hein. Tu vois ce que je veux dire, en effet spécial, on peut aller chercher le contre-pied de l'originalité, prendre ça au ridicule, hein, on peut le faire. Hein, aussi. L'humour, on peut en mettre. Beaucoup. Ça paye l'humour, ça peut percuter. Oui. On continuera à suivre tout ça. Mon Idou, comment on est à 3 jours du 9e Fest Caram? Non. Là, ça va commencer à courir, là, maintenant. On a commencé à courir, ça fait déjà 3-4 mois qu'on s'est réunis, qu'on s'est avec les partenariats, avec les collègues, enfin, des amis à moi qu'on s'est mis, Maro Tsara et qui nous a soutiens aussi. Et ça fait déjà 3 mois qu'on est dessus, mais là, dès cette semaine, oui, on est... On court jusqu'à lundi prochain. Ouais. De quoi on a encore besoin? De quoi on a besoin? Ce que vraiment on a besoin, c'est la solidarité enfin, les gens qui peuvent arriver, qui puissent venir passer une très bonne soirée et qui pensent que on vient pour passer une bonne soirée. Voilà, c'est le Fescarab, c'est ça. Je demanderai que ça. C'est ça qui. C'est un festival où on se prend pas la tête. Non. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est, on le rappelle, hein, c'est de passer un bon moment à Musical Plage, dans un endroit magnifique, sous les étoiles, et puis de repartir le lendemain très heureux. Avec un souvenir, de ce qu'on a passé. Bien sûr. Toi, c'est 3 jours là où tu vas pas dormir. Je suis pas le seul. Hein, on va dormir très peu. Je vais
En fait, embête un peu, mordurais-je un petit peu les voisinages, les voisins, mais ils sont ravis de cette fête, ce fest karam. J'en fais pas souvent, mais quand il y a le fest karam, comme je te dis, il y a tout le monde qui s'attend à ça, même les artistes, même les villageois, ils sont ravis. C'est la fête du village. C'est la fête du village. Ouais. Abdallah, donc vous, l'intérêt de tout ça, c'est de faire des choses pour les jeunes. Mais pourquoi les jeunes, il faut les intéresser à pas mal de choses. Hein. Il faut susciter des vocations, il faut s'en occuper. Donc, c'est aussi ça, là, c'est aussi possibilité de leur parler de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que là, on est en plein dans le siècle d'aujourd'hui, l'audiovisuel, on est en plein dedans. Là. C'est pas mon domaine, mais bon. C'est pas parce que je ne fais pas ça que eux ils ne peuvent pas aller dans ce sens-là. Donc moi je suis volontaire pour les suivre pour toutes les ouvertures possibles qu'il peut y avoir. Donc c'est ça, c'était un peu ça aussi l'idée, c'était de leur parler leur langage. L'audiovisuel, c'est leur langage, ils font des films. Tout à fait, Drix, tu le sais, ils filment toute la journée. Oui, ça fait partie intégrante d'eux. Donc, c'est devenu partie naturelle. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de leur apporter un événement où ils vont complètement se retrouver dedans. Ouais. Et voilà, donc je pense qu'ils sont. Ils seront que ravis que cet événement. Ouais. Qui va juger? Qui vont être les jurys? Les jurys, alors je prendrai des deux ou trois personnes du monde audiovisuel, peut-être un ou deux artistes, et puis des partenaires, un représentant des partenaires en fait. Et, ouais. Et alors après, donc là, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Pour l'instant, on attend justement l'aide des entreprises, des partenaires, et on verra tout ce qu'on aura comme lot, ben, on le donnera. De toute manière, ça va pour eux. Oui, bien ça sûr. Va pour eux. Bien sûr. Donc, on aimerait bien leur, je sais pas, comme les gagnants leur donner, je sais pas moi, une petite caméra. Une petite GoPro. Ouais, voilà. Ça serait sympa. Carrément, j'imagine. Ouais. Mais bon, tout est bon à prendre. Oui. Donc oui, on rappelle. Hein, en tout cas, on prend tout. Hein, On rappelle Pocket Mayotte Film sur Facebook. Vous n'hésitez pas. Vous déposez votre numéro de téléphone et puis on vous rappelle pour savoir comment vous pouvez aider cette association des parents d'élèves du lycée Younoussa Bamana. On rappelle. Et je rajoute Studio Sadamoa. Parce que là, on parle que de l'association, mais en fait, c'est un projet. C'est Drix qui a mis le sujet sur la table. Donc, on le fait en partenariat. Donc, depuis tout à l'heure, on parle que de l'association et on le met un peu de côté. Donc, c'est aussi. Bon, alors, à partir de maintenant, on ne parle plus d'association. On va parler que de studio. Non, parce que j'ai passé toute la partie. Mais c'est vrai que il m'a apporté le projet parce que lui, il a apporté le côté professionnel audiovisuel. Ouais. Et nous, on est dans le côté jeunesse, accompagnement jeunesse. Donc là, on s'est dit, en se mettant tous les deux, ça va marcher. Donc il faut lui il est important dans le projet parce que c'est le professionnel. Hein. Moi je suis du côté jeune, lui du côté audiovisuel. Surtout qu'il y a d'autres projets en développement, des ateliers autour de tout ça, etc. etc. Ça peut devenir un vrai outil pédagogique je pense. Nidou, on rappelle, vendredi soir, on aura donc Bako Ali Mtoro. En tout cas, Mtoro et Bako Ali. Voilà. Il est déjà sur l'île, Mtoro. Ils arrivent vendredi matin. Le samedi, on rappelle, on passe un petit peu ambiance club avec des showcases DJ Wax, DJ Capfea, DJ Aska et SB Nage. Oui. Et puis, ce soir-là, c'est gratuit pour les filles avant 22h. Ouais, c'est les femmes qui veulent venir un peu plus tôt avec leur mari. Et puis, on rappelle que le dimanche soir, ce sera donc à partir de 18h à l'heure de l'apéro. Et ce soir-là, eh bien, on aura Como. Oui, et Latéral et Mtoro Chamou avec lequel on va terminer. Oui, voilà. Trois belles soirées. Ça fait combien de personnes, le Fescaram? Ça fait combien de personnes? Tu fais combien d'entrées, grosso modo? On n'est pas au chiffre près, ça fait quoi? Alors, chiffre près, on s'estime en 3 jours de faire
un chiffre global de 1 500 personnes, 1500 personnes quand même. Qui vont passer le week-end sur le site. Ah ouais, quand même, 1500 personnes, ouais. Ça fait du bruit. Oui, c'est un petit bruit pour les trois jours, ça va, mon Dieu. Voilà, ouais. C'est un petit passage des différentes personnes. Wow. On l'avait filmé, le Fescarame. Oui, une fois, on avait filmé. On l'avait filmé une année. Oui, une année. On a eu l'occasion aussi de ramener aussi des musicos qui nous ont fait des parties sur le plateau. Bien sûr, genre, bien sûr. Je ne me dis pas. Parce que c'est aussi ça, parce que... T'as fait venir aussi toutes sortes de, d'artistes dans ce festival. Ben, à l'occasion, vous le verrez. Voilà, Domé, et après Domé, il y aura comme latéral, comme d'autres. Il y a la Como qui peut-être à l'occasion va vous faire un petit, un petit a cappella dans sa tradition. Mais t'as fait venir de tous les styles. Bah écoute, c'est notre style, c'est le style de Mayotte, hein. Ça fait si les quatre personnes ou trois personnes qui sont réunies, ça fait partie quand même de des piliers, les jeunes de musique de Mayotte, hein. Il y a un Bakwali qu'on connaît, il y a Kumo qu'on connaît, il y a la latérale et Mtoro, en fait c'est je dirais qu'il y a du bonheur, qu'il y a de la tradition, hein, que les, voilà, on peut que s'entraîner ses pieds pour danser, quoi. Ouais. Studio Sanamoa, ça c'est le genre d'endroit où t'aimes bien, toi. Tout à fait. Hein, que t'aimes bien, là, en général, on te trouve toujours dans un coin, à l'ombre, là, avec ton appareil photo. Toujours. Hein. Pourquoi tu aimes ce genre d'ambiance? Je ne sais pas. Un jour, je me suis réveillé, j'avais un appareil photo dans les mains, et puis... Ouais. Mais dans ce genre d'endroit, les gens sont comment C'est... Tout le monde est joyeux. J'aime bien ce genre d'endroit où il y a des échanges. Les gens se lâchent. Ouais, tout à fait, 100%. Là, ce qui veut dire que quand on les prend en photo, ils sont différents. Ah oui, là, c'est sûr. Là, ils sont pas comme... Bien sûr. Ils sont dans un autre état. Ouais, ils sont... tout à fait, ouais. Et ça fait des belles photos, souvent. Oui, avec leur sourire, là, si on voit, ils se montrent l'intérieur d'eux-mêmes. Et toi, tu aimes autant les artistes que les gens qui sont dans la foule, hein, les inconnus aussi. Oui, hein. autant les personnes, la foule, l'ambiance, tout. Ouais. Ce qui veut dire, parce que quand même, moi, Mondrixou, quand je t'ai connu, c'était la photo. Oui. Là, maintenant, tu passes à la photo animée. Oui, 24 images au seconde. Voilà, il faut en faire 24, voilà. Ouais, 24 maintenant. C'est différent. Oui. La photo, c'est différent techniquement. Enfin, des fois, moi, on me dit que la vidéo, c'est plus parlant. Mais moi, je trouve que l'image fixe, c'est plus parlant. Donc, mais oui, moi, je trouve ça différent. Même débat avec le noir et blanc et la couleur. Voilà, ça revient même. Mais c'est différent, mais ouais, j'aime bien les deux, en fait. Mais ça reste de l'image. C'est l'image, oui, c'est l'image. Et on peut juger plusieurs images comme on peut juger une seule photo. Voilà, aussi. Ouais. Donc, mais bon, quand sur une photo en général, bon, derrière on en a pris plusieurs et puis on présente la photo. Alors que là, c'est plusieurs photos qui représentent une globalité. Ouais. Ouais, pas évident, hein, quand même. Tout à fait. Donc c'est moi, enfin, c'est vrai qu'à la base, je suis plus photo que vidéo. Mais... Ouais. Aujourd'hui, c'est un truc qui fonctionne à fond. Quand on voit TV Mafumbuni, quand on voit Ellie en petite terre, oui. qui font des milliers de vues sur YouTube. Vous êtes en plein dans le sujet, là. Oui, là, carrément. Ben, en fait, à la base, on va dire à l'origine même moi, du projet Pocket Film, bon, c'était quand je suis arrivé à Mayotte en 2010. J'avais déjà cette idée de faire le Pocket Film. Mais bon, j'avais tapé aux portes des mairies, tout ça. Personne ne comprenait le projet, quoi. Donc du coup, je l'ai mis dans un carton. Mais entre-temps, je voyais des jeunes avec leur petit téléphone, j'allais les voir, j'allais les aider et faire le petit film. Et puis petit à petit, jusqu'à ce que je vais rencontrer Asna, qui elle a tout de suite a tilté sur le projet. Il y a un endroit où on fait aussi beaucoup d'images, c'est dans les mariages. Oui, dans les mariages, maintenant... De plus en plus. Hein. Oui, de plus en plus. Pour les professionnels, ouais, de plus en plus. Après, par exemple, pour les photographes, avoir trop d'images, c'est devenu
un peu, comment dire, un peu gênant, c'est-à-dire on n'arrive plus à travailler en fait au photographe, parce que maintenant, voilà, à chaque fois qu'on veut prendre une photo, on voit plein de téléphones devant les bras qui se traînent partout. Ça se complique. Donc voilà, là, il faut qu'on repense le truc. Mais de plus en plus, l'image, elle est très consommée, oui, de plus en plus. On rappelle donc que l'on a jusqu'au 6 octobre pour s'inscrire, pour aller récupérer le dossier. Donc, il faut aller à quelle adresse ? Au siège social de l'association, c'est 30 rue Pasqui, à côté du lycée, pas loin du lycée de Mamouzou, lycée Unissa Bamana. Et c'est important qu'ils viennent parce qu'il y a les modalités, il y a le règlement intérieur, et puis il y a un document aussi à signer parce que bon... On fait pas des images comme ça. Voilà, donc on fait signer les candidats qui viennent avant de leur donner le dossier, on leur fait signer un Il y a des décharges, il y a des... Et tout ça, donc c'est important puisque les images seront diffusées. Et comme c'est des jeunes, on veut s'assurer que toutes les précautions ont été prises par rapport à... Surtout les bandes son pour les... Pour les droits, qu'ils ne savent pas. Qu'ils n'avaient pas utilisé des sons, des musiques, d'autres personnes. Ouais, qu'ils évitent aussi la pub. Voilà. La pub. les boissons gazeuses, tout ce qui... les cigarettes, etc., etc., les grands classiques. On rappelle que c'est un concours qui est ouvert... Tous les jeunes, pas qu'à ceux de Mamouzou et du lycée Bamana, bien sûr. Ça serait bien qu'il y ait de la concurrence qui se fasse avec d'autres lycées, par exemple. Oui, ce serait très bien. mais bon, on va voir. On a essayé de ne pas cibler un établissement en particulier. Comme ça, on donne la possibilité à tous les jeunes de 16 à 19 ans de... Alors, on aimerait bien, pour la première édition, ce serait bien d'avoir... là, on s'est dit... On n'aimerait pas être débordé par les dossiers, hein, mais pour la première édition, on s'est dit tous les jeunes de 16 à 19 ans. Parce que bon, il n'y a pas de... C'est pour filtrer en fait une certaine quantité. Bien sûr, bien sûr. Ça a démarré quand ? Alors, on a lancé le 25, hein, le 25 septembre, sur Facebook. Et puis, c'était un lundi. Oui, c'était un lundi. Et vous avez déjà des touches, vous avez déjà des... On a déjà des... Il y a des dossiers qu'on a déjà pris. Qui ont été déjà pris. Et puis, génial. Ouais, on a déjà des dossiers. Génial, c'est que ça démarre bien. Puis, voilà. Et on sait que les jeunes, des fois, même s'ils sont intéressés, ils traînent les pieds pour arriver, mais on sait... Surtout dès qu'on leur dit qu'il y a des papiers. Voilà. Les papiers. Je ne peux pas faire ça par Internet. Mais on a prévu quand même de prolonger la date d'inscription si jamais d'ici le 6 octobre, on n'a pas... Oui, puis on n'est pas un concours non plus international. On a de la marge. On va essayer d'être un peu plus souple par rapport au règlement. Hein. Et qui remercier, messieurs, dames, qui vous êtes déjà ? Ouais. J'imagine déjà le lycée. Oui, le lycée, on voulait pas trop le lycée. On a collé les affiches, mais justement, on voulait pas parler de lycée Younoussa Bamana parce qu'on voulait pas qu'il y ait. C'est des jeunes. Hein. Ils vont pas dire oui. Il y a une préférence. Imaginez que le jour du concours, c'est un élève du lycée. Donc, on s'est dit, on dit les jeunes. On dit pas les élèves parce que si on dit les élèves, ils vont dire ah oui, mais c'est l'association lycée Younoussa Bamana. C'est sûr que c'est un jeune de Bamana qui va gagner. Donc non, il y a pas de raison. Voilà. Donc on dit les jeunes. Vous allez faire ce qu'il faut pour qu'on sache pas de toute manière qui. Voilà. C'est. On dit les jeunes et puis après, c'est vrai qu'on va demander le la partie. On va travailler bien sûr avec le lycée. Ouais. Et puis après, toutes les participations seront les bienvenues parce que bon, on est parti il y a quelques semaines quand j'ai rappelé Drix, hein, je lui ai dit, tu sais, on n'a pas eu la subvention, mais tant pis, on fait quand même. On ne va pas différer. Voilà. Parce qu'on l'a fait, on a passé des après-midi l'année dernière enfermés avec le vidéoprojecteur à discuter, changer. On a vraiment travaillé dessus l'année dernière, ce qui fait que cette année, on a juste changé les dates, parce que tout le travail était fait l'année dernière. Ouais. Donc je lui ai dit, écoute, avec tout le travail qu'on a fait, hors de question on s'arrête pas. Et puis après, on lance et puis on verra, peut-être que les gens viendront, les partenaires et tout. Donc là, on appelle tout le monde,
la possibilité de rajouter les logos sur l'affiche. Hein. L'affiche bien sûr. Va évoluer parce que ça va jusqu'en décembre. Et vous viendrez les citer la prochaine fois. Voilà, on viendra citer tout le monde. J'espère que la prochaine fois, il y aura beaucoup de logos sur l'affiche. Allez, 06 39 07 71 75 ou alors Facebook Pocket Mayotte Film. N'hésitez pas à proposer votre aide à cette association qui en a bien besoin, des t-shirts, des casquettes, une petite tablette qui, petit portable. Ça pourrait être très sympa, une petite caméra. Ou un petit voyage. Un petit voyage, pourquoi pas, un voyage. À Hollywood. Et voilà. Abdallah, qui remercier? Vous venez de citer tout le monde, difficile de citer. Les bénévoles de l'association Les bénévoles éventuels. Parce que pour l'instant, on n'a pas. Vous n'êtes pas nombreux. C'est pas évident. C'est pas facile. Le bénévolat, oui. À bouger les gens, c'est pas évident. Tous ceux qui veulent aider peuvent venir. Et ben voilà, si vous êtes parents d'élèves. Merci d'avance. Si vous êtes parents d'élèves du côté du lycée Younoussa, on a besoin que vous vous impliquiez pour l'épanouissement de vos enfants. N'hésitez pas à vous rapprocher de cette association. Mon Idou, qui remercier? Bah écoute, à qui je remercie toujours mes partenaires comme Kouizi, comme collègues Maït Hebdo, la mairie de Bandrouélé, Marot Sarab de Timkoura, un gars qui joue une amie à moi de Dubois de Timkoura, et Amstel, de tous les partenariats qui sont là, c'est grâce à eux qu'il y a le Fest Karam cette année. Et j'espère que l'année prochaine on aura encore et encore. Le dixième, on va pas louper le dixième. Ça ne se loupe pas. On va même aller au travail dès le maintenant, dès le vendredi. Hein. Mais voilà. On rappelle, tu as une page Facebook, Bar Le Maju. Oui, il y a la Bar Le Maju. On peut trouver toutes les informations, toutes les événements qui passent sur le site. On peut trouver sur le Bar Le Maju. Et si on veut rajouter et venir participer à tout ça, eh bien, on appelle le 06 39 22 75 34. Et puis, au Konamé. Ah, plus de fêtes caram, on a mis une fois tous les deuxièmes du mois, on a mis de salsa et la zumba. Ouais, j'en parle régulièrement. À chaque fois que je vois passer des amis, j'en écoute, une occasion, après le fête caram, tu peux venir danser la zumba, la salsa. Mais il y a plein de choses que vous faites là-bas. C'est très bien. Puis de temps en temps, il y a la beach party aussi qui était venue. Oui, qui était venue aussi. On est où? Bon courage pour la suite. Je vous en prie, à très bientôt aussi. Mondrix, Studio Sanamouin, merci d'être venu. Asna de la Pélib, merci d'être venu. Abdallah Abdou Ali, merci mille fois d'être venu pour nous parler de cette belle opération. On se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres invités. On aura en partie musicale, on aura latérale. Et puis on aura Hip Hop Evolution aussi. Voilà. On se retrouve demain. Ainsi va la vie. Salut.